Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, on se retrouve sur Anno 1800 pour un épisode particulier aujourd'hui puisque on va voir ensemble un élément d'interface qui n'est je pense absolument pas expliqué dans le jeu et qui est pourtant plutôt utile dans certaines situations bien précises. Il s'agit de pouvoir charger sur une route commerciale, sur un bateau, une quantité de produits qui nous permet d'en laisser une certaine quantité dans le port pour l'usage notamment d'une usine de transformation ou des citoyens par exemple. Prenons l'exemple du café. Admettons qu'on veuille livrer du café depuis cette ville ici, Bellanova, ma capitale dans le Nouveau Monde pour l'instant, dans ma partie actuelle. Eh bien, on remarque que j'ai 37 de café seulement en stock. On pourrait se dire, je veux toujours en garder 30 dans cette île-ci. Et puis le surplus, on peut l'exporter vers une autre île pour les citoyens là-bas. Par exemple, je prends une situation complètement fictive. Je ne dis pas que c'est utile de le faire dans ce cas-ci, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je trouve ça vraiment intéressant comme petit truc. Alors, on va ouvrir route. On va créer une nouvelle route juste pour l'occasion, une route commerciale. On part de Bellanova. On va jusque à Boqueton. On va charger à Bellanova du café. Voilà, je valide pour vous montrer. Donc quand vous validez comme ceci, tout à fait normalement, c'est ce que tout le monde fait évidemment dans le jeu pour l'instant, eh bien on me dit plus 50, on va charger au maximum, autant que possible, 50 unités de café dans cet endroit de cargaison-ci, dans le bateau, et puis on peut le décharger à Boqueton. Alors nous, on ne va pas faire ça. On va cliquer pour charger. On va cliquer pour choisir le type de produit. Il y a du 39 de café en stock pour l'instant. Et puis ici, on va choisir la quantité. Mais ce ne sera plus la qualité qu'on va charger, ce sera la quantité que l'on va garder dans le port de Bellanova en toutes circonstances. Et on va dire par exemple 30. Et au moment d'accepter, le truc c'est que vous devez maintenir Shift. Je pense que ça marche en tout cas avec Shift gauche, peut-être pas avec Shift droit, je ne sais pas, mais utilisez Shift gauche pour être sûr. Et vous acceptez, et là vous n'avez plus un plus 30, mais vous avez un plus ou moins 30. L'interface est très bizarre, pas intuitive, on dirait que c'est un truc qui a été caché par les développeurs pour une raison qui m'échappe un petit peu. Peut-être que ça va être annoncé plus tard dans un patch successif, suivant peut-être, et que c'est pour l'instant un genre de bêta. Pour décharger, vous laissez évidemment le déchargement max, peu importe. Mais donc ceci veut dire que l'on va charger 30. Non, on va laisser, pardon, justement, l'habitude, justement, on va laisser 30 minimum, s'ils sont là, évidemment, dans le port de Bellanova. Donc j'accepte. On va choisir quand même un bateau, sinon ça risque de ne pas fonctionner, clairement. Alors le café, le café, le café. Où est-ce que j'ai fait ma route? Ici. J'ai préparé un bateau juste à côté du port. Voilà, il se met en route. On a 45 en stock à Bellanova. Il va charger. Logiquement, il devrait charger 15 ou 16 peut-être. Voilà, il a chargé 15 et il laisse 30 dans le port de Bellanova. Je ne sais pas pourquoi cet élément d'interface n'est pas renseigné. Moi, j'ai trouvé ça sur le forum Reddit du jeu. Je vous laisserai la discussion pour indiquer ma source si jamais vous voulez retrouver par vous-même la discussion à ce propos. Donc merci à celui qui a trouvé ça en tout cas. C'est un forum anglophone, donc je ne me souviens plus du nom de la personne, mais de l'utilisateur. Mais en tout cas, c'est très 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 utile dans certaines situations où on veut à tout prix éviter que le nombre de citoyens baisse parce qu'on pourrait prendre tous les éléments d'un besoin de base de consommation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc plutôt pas mal. Voilà, on a pris 15 parce qu'ils étaient disponibles et puis on laisse un petit stock pour éviter les problèmes. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà, j'espère que ce petit truc vous a plu. Alors j'en profite pour vous dire que c'est le retour de Anno 1800 sur ma chaîne, ma série en cours. Je vais la continuer bien sûr, on est à l'épisode 33 bientôt. Il va sortir ce dimanche matin, donc je vous attends au rendez-vous dimanche matin pour vivre la suite des aventures dans l'ancien monde et le nouveau, les expéditions et tout ça. On est bien avancé dans l'exposition universelle maintenant. Donc je compte sur vous, la série va reprendre en série... par quotidienne peut-être, mais un jour sur deux, j'aimerais bien plus ou moins sortir un épisode. Je vous souhaite une très bonne continuation, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à laisser un like et éventuellement vous abonner si vous découvrez la chaîne. Salut à tous !